إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إننا نعيش خاتمة هذا الشهر المبارك، وقد أخفى الله تعالى في هذه الليالي ليلة عظيمة، وسبب تعظيم هذه الليلة بسبب نزول القرآن الكريم فيها. قال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. علاش هذه الليلة مهمة وعظيمة؟ علاش القدر تاع هذه الليلة الناس راهم يحوسوا عليها في أنحاء العالم؟ علاش رب يفضل هذه الليلة على ليالي السنة؟ لأن الله تعالى أنزل فيها القرآن. هذه ليلة، وهكذا البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شوف أنت، كن عاقل وأنت تجتهد باش ما تفوتش منك هذه الليلة، وكتزيد في الطاعات مليح، هذا مطلوب، لكن تفكر أيضا، عباد الرحمن تيستعملوا العقل، ماشي غير درك راك كما نقولوا حنا راك كتفتش كتلوج على ليلة القدر، ولكن انت الا بغيت ربي يرفعك بين الخلائق باش غادي يرفعك؟ كما رفع هذه الليلة بنزول القرآن، ربي يرفعني ويرفعك بشرط أننا نقدر القرآن في حياتنا، وأن نعيش حياة القرآن في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق نتاعنا. كما ربي رفع هذه الليلة غادي يرفعني ويرفعك، ويضع به آخرين. شكون اللي ربي غادي يخليهم تحت؟ ديما تحت. انظروا الآن، والعقيد واللبيب بالإشارة يفهم. انظروا حال الأمم في العالم، علاش الأمة الإسلامية رانا في هذه الحالة؟ علاش؟ لأننا تركنا القرآن، خلينا القرآن، خلينا. شيخ فخير ونغام لسور، je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte d'Allah et de la vie. Il y a quelques semaines sur ce minbar, nous parlions de la manière d'accueillir le mois de Ramadan. Et là, nous sommes en train de vivre les derniers jours de ce mois béni. Il nous reste maximum une semaine. Dans ces 10 dernières nuits, Allah Azza wa Jal a donné une occasion aux croyants et aux croyantes de se racheter. Des fois, le Ramadan passe, on est occupé, et on se dit, subhanallah, nous sommes déjà entrés dans la dernière décade du Ramadan, et je n'ai pas bien profité. Ce n'est jamais trop tard. Parce que dans ces nuits-là, il y a une nuit exceptionnelle. Certes, il faut faire plus d'efforts, redoubler d'efforts. Comme a dit la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque venaient les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne. Son pagne, al-mi'zab, il le serrait. Ça veut dire qu'il faisait plus d'efforts. Et il se consacrait sallallahu alayhi wa sallam à l'adoration. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même ses femmes après lui radiallahu anhum faisaient i'tikaf. Qu'Allah nous permette de faire revivre cette sunnah. C'est dur d'organiser l'i'tikaf, mais le jour où les musulmans on apprendra l'obéissance, on pourra faire l'i'tikaf dans la mosquée. Ce n'est pas évident d'organiser l'i'tikaf. Pendant 10 jours tu ne sors pas de la mosquée. Ce n'est pas évident, il faut une organisation top. Mais pour que l'organisation marche, il faut que les musulmans, et moi le premier, on s'éduque encore. Parce qu'aujourd'hui, on en a encore à dire « Akhi, ne garde pas devant » et dit « C'est pas la mosquée de ton père. »
Ma sœur remplit le rang, elle dit c'est pas la mosquée de ta mère. On peut pas faire l'i'tikaf, nous, pas encore. Le jour où quand l'imam, par exemple, si Cheikh Ahmed y parle, s'il dit une chose, qu'on l'écoute tous, ce jour-là, on pourra faire l'i'tikaf. Si lui il parle, nous là-bas on parle, l'autre là-bas il dit moi je suis pas d'accord, mais toi tu n'es pas savant pour pas être d'accord. Toi tu n'as pas le droit de ne pas être d'accord. Ceux qui ont le droit de dire moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit Cheikh Ahmed, c'est les chouyours qui ont son niveau. Mais toi qui si on enlève les voyelles, dans une petite phrase, tu vas faire trois fautes, tu n'as pas le droit de dire moi je ne suis pas d'accord. Parce que tu as vu la vidéo de quelqu'un sur Internet. C'est pour ça que l'adab, c'est important. La mère de l'imam Malik, rahimahullah, elle habillait bien son fils. Elle lui mettait une imama et elle l'envoyait. Et lui disait, apprends de ton cheikh l'adab avant d'apprendre de lui l'ilm. Donc le jour où on sera prêt, inchallah, on fait l'i'tikaf. Et pour le moment, on n'est pas encore prêt. Alors on fait plus d'efforts, dans la mesure du possible, dans la mosquée, chez nous. Et le musulman et la musulmane doivent être éveillés. Certes, on cherche Laylat al-Qadr. Mais pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, et c'est notre aqidah, c'est notre croyance, ou al-alim ou al-hakim, Allah est sage. Si Allah a donné à cette nuit une importance exceptionnelle, c'est qu'il y a une raison. La abatha fi khalqillah. Allah ne fait pas des choses au hasard et n'importe comment. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit clairement, Surat al-Qadr, cette nuit, Allah tout de suite dans la première ayah il nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Pourquoi est-ce que cette nuit est exceptionnelle? Parce qu'Allah Azza wa Jalla y a révélé le Coran. Voilà la différence entre laylatul qadr et toutes les nuits de l'année. Cette nuit a été élevée parce qu'elle s'est vue être la nuit où le Coran a été révélé. Nous en tant qu'humains, nous recherchons tous l'honneur. Nous cherchons tous l'élévation dans cette vie et dans l'autre. Comment est-ce qu'Allah va nous élever? Comme il a élevé cette vie. Si le Coran est dans ma vie, Allah va m'élever. Si moi je laisse le Coran ici prendre de la poussière, le mushaf, je le laisse, il prend de la poussière. Il y a des musulmans qui n'ont pas de mushaf chez eux. Et combien de musulmans ont le mushaf? Combien de fois ils l'ouvrent dans la journée? Regarde mon frère et ma soeur, combien de fois tu prends ton portable et combien de fois tu prends le mushaf? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, inna Allah bittaqi, certes, Allah élèvera par ce livre, le Coran, certains gens et il en rabaissera d'autres. Regardez l'état actuel de la communauté musulmane. Normalement, les musulmans doivent être en avant, parmi les meilleurs au moins. S'ils ne sont pas encore les meilleurs, au moins parmi les meilleurs dans tous les domaines. Parce que ce livre contient les secrets de la réussite dans cette vie et dans l'autre. Alors c'est bien de chercher les Laylatul Qadr et de venir à la mosquée, de faire tout ça, c'est bien. Mais il faut que le Coran soit le guide dans ma vie et dans la vôtre. Parce que Laylatul Qadr, c'est une nuit. Mais moi et toi, on doit être musulmans durant toute notre année, durant toute notre vie. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez qu'en état de pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ عِبَادَةُ الصِّيَامِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا الْعَدِيدَ مِنَ الْفَوَائِدِ وَمِنْ بين هذه الفوائد أن هذا الشهر المبارك مناسبة لتقوية العلاقة في المجتمع بل العلاقات ومن بين هذه العلاقات العلاقة بين الغني والفقير ولهذا شرعت زكاة الفطر. Le mois du Ramadan est une école comme nous avions dit au début du Ramadan. Et il est plein de sagesse et d'enseignement. Parmi les enseignements du jeûne du mois de Ramadan, le mois de Ramadan permet de fortifier les liens entre les gens dans la société, entre les gens au sein de la famille. Mais nous avons parlé aujourd'hui brièvement d'un lien qui est renforcé par le jeûne, le lien du riche et du pauvre.
Le lien de celui qui a le ventre plein et celui qui a le ventre vide. شفتوا في رمضان بعد العصر شت الراس نتاعك كيفاش رايدو؟ علاش؟ باش تفكر طول السنة هذاك المسكين هذاك الفقير اللي ربما نسيناه حيدنا كاع حيدنا من هنا. بعد صلاة العصر إذا خرجت من المسجد ودوزتي على حدا شي مطعم تشتهي الأطعمة صح؟ أي حاجة تشوفها تقول هذه مليحة هذه مليحة. علاش؟ بسبب الجوع. هذاك المسكين طول العام يمر بجانب المطاعم يتحرك من الداخل وينتظر شكون غادي يرحمه؟ شكون غادي يقول له تفضل جلس جلس انت مع الناس انت ضارب المطعم ب 100 اورو انت ومرتك وولادك وتيجي المسكين تعطي انو واش يدير انو؟ واش يشري باقيطة ولا نص باقيطة ولا قرعة الماء ولا فرمضان مدرسة تيجعلني ويجعلك كتشعر بالجوع. وإياكم واتقوا في هذه الدنيا ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم عافية. ما يضحكش عليا وعليك الشيطان يقولك انا عندي التجاره انا لاباس عليا انا عندي 100,000. يقدر يكون عندك 300,000 وغدا تكون من الفقراء وهذا رايناه باعيننا. Le mois du Ramadan nous permet de nous rapprocher des pauvres. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas, on ne boit pas. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et on ressent un petit peu la soif. Et on ressent un petit peu la faim, surtout après l'asr. Surtout si tu sors et tu vas dans une rue commerçante. Tu vas ressentir, quand tu vas sentir là. D'habitude, tu sens toute l'année, ça ne te fait rien. Mais là, après l'asr, quand tu sens, ça, tu vibres, hein? Tout ton corps y vibre. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est la faim. Cette faim-là, lorsqu'on la ressent, c'est une leçon parmi les leçons du Ramadan. Ce pauvre ressent cette faim toute l'année. Ce pauvre qui passe à côté des restaurants toute l'année et qui n'a pas les moyens de s'acheter un repas. Le Ramadan va te mettre à sa place. Comme ça, la prochaine fois, quand tu vas assis au restaurant avec ta femme et tes enfants, et que tu vas payer une centaine d'euros, quand un pauvre viendra, tu ne donneras pas un euro. Tu sais, tu donnes un euro, tu l'appelles devant tout le monde. Agis, avoir de sadaqa, tu sais billah. Un euro. Et toi, tu vas payer plus de 100 euros. Ce pauvre-là, est-ce qu'il ne mérite pas de s'asseoir à côté de toi? Assieds-le à côté de toi. Dis-lui, prends ce que tu veux, et c'est moi qui vais te payer. Où est-ce qu'on va apprendre ces valeurs? Pas dans la rue. La rue, elle n'éduque pas comme ça. C'est le mois du Ramadan qui nous donne ces valeurs-là. Et nous avons dit, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, a rendu obligatoire, comme a dit Ibn Umar dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner zakat al-fitr. Puis il a cité des denrées alimentaires. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer la finalité de zakat al-fitr. Pour que le pauvre, le jour du Eid, il ne tend pas la main. Pour que le pauvre, le jour du Eid, il ne se retrouve pas dans le besoin. سألني قبل دقائق بعض الإخوة هل زكاة الفطر؟ وأنا سبحان الله أستغرب من هذه الأسئلة وخيا غتبقى دائما ولكن أستغرب لأن كل سنة نعاودو نفس الكلام. اللي عنده شي شركة لما مثلا أنت غادي دير شركة هذا العام تبعوني مزيان الله يجازيكم بخير غتفتح أنت الشركة هذه الأيامات بعد شهر غادي تلقى بعض المشاكل بعد سنة تلقى مشاكل أخرى تحديات بعد سنتين عندك تحديات أخرى إذا أنت بعد 20 سنة فتحت أنت الشركة ما زالت المشاكل في الأول ما زالت كاينة عندك أنت لا تحسن التدبير لأن الشركة نتاعك خاصها تكبر وشعل ما كبرت الشركة شعل ما غتلقى مشاكل وهذه المشاكل غتلقى ليها حلول لأن راك تكبر
كيما ولادنا كيكون الولد صغير شنو هي مشكلته؟ يربى. كي يكبر شويه خصو دابا الحليب، خصو الفواكه، خصو الخضر، خصو اللحم. غيكبر يقول لك بابا شري لي لامار. يعني المشاكل. الا ولدك عنده 16 عام يقول لك بابا بغيت نرضع البزوله ديال الوالده، هاد الولد راه ماشي معقلو. احنا كل سنه طرود القيامه في زكاه الفطر، وهذا الامر اختلف فيه الكبار. تعرفوا شكون هذو الكبار؟ العلماء. انا كتعجبني هذه الكلمه، تعلمتها من اداب العجم الباكستانيين والهنود. كي ذكروا العلماء تاعهم يقول لك الكبار. هذا كبير، هذا شيخ قرا 15 سنه 20 سنه واختلف في المساله مع شيخه، وهذا الخلاف قديم. واش احنا خصنا نتعلمو الان؟ ربما انت مقتنع بان هذه الزكاه اخراجها بالطعام بقوت اهل البلد، خرجها. وذاك الرجل من عائلتك هو كذلك راه يتبع في علماء وهم مقتنعون باخراجها قيمة، أي بالنقود بالفلوس. ما هي المشكلة؟ اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأمور أكثر من زكاة الفطر. اختلفوا رضي الله عنهم جميعا مرة في وقت الصلاة لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة هذه فريضة، صلاة العصر، هذه من أركان الإسلام. اختلفوا فيها، لكن الصحابة عندهم الأدب. والأمر كذلك اختلفوا في ركن من أركان الإسلام، اختلفوا في صيام المسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر. واش رأيكم معايا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون في رمضان، طائفة تصوم وطائفة تأكل. الفرق بينهم وبيننا أن الصائمون لا يعيبون عن الآخرين، والعكس كذلك. هذا محترم هذا، وهذا محترم هذا. أسأل الله أن يرزقنا هذا الفهم. كاين خصم عبر يقول له أنت مبتدع. علاش؟ لأن الوالد تاعو يخرجها نقودا قيمتها. وانا لا اثق في شخص يقول لي لازم نحترم كل الناس، لازم نحترم البشر لان البشر من بني ادم، ويقول لك احنا نحترم اليهود والنصارى وكذا، ومن بعد اخوه المسلم ما يحترموش. اذا راك غير تغني، سمحوا لي على هذا. لما تقول احنا نحترم النصارى واليهود وكذا، لا 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 لا، كيفاش خوك المسلم ما تفاهمش معاه؟ تفاهم مع اليهودي والنصراني؟ تفاهم بعدا مع هذا اللي كان معك داخل في المسجد؟ تكون بينك وبينه واحد المحبه، وهذا من تعاليم رمضان. علاش تنصوموا مره وتنفطروا مره؟ علاش؟ باش نعرف انا ونتعلم انا وانتوما انني فرد من الامه، ما رانيش بوحدي انا. Et Ibn Umar radiallahu anhu nous enseigne qu'à la fin du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner zakat al-fitr. Il y a quelques instants, des frères m'ont dit, est-ce qu'il faut la donner en argent ou il faut la donner en denrées alimentaires? Et moi, je vais répondre à cette question. Mais je vais attirer votre attention sur une chose. Si un frère ou une sœur ouvre sa société, ce mois-ci, les premières semaines, les premiers mois, il va rencontrer certaines difficultés. Et il devra chercher des solutions à ces difficultés d'un nouveau entrepreneur. Au bout d'un an, il ne doit plus avoir les mêmes problèmes. Parce qu'il les a réglés, les problèmes du début. Au bout de 10 ans, il aura toujours des problèmes, des défis. Mais normalement, ça ne doit plus être les mêmes défis. Pourquoi ? Parce que sa société, son commerce a grandi. Nos enfants, quand ils sont petits, les nourrissons, leur seul souci, c'est quoi? C'est d'allaiter. Quand ils grandissent, est-ce qu'ils ont le même souci? Ton fils ou ta fille qui a 15 ans, qu'est-ce qu'il te demande pour l'aider? Un verre de lait?
ou bien des habits de marque. Si ton fils ou ta fille te demande un verre de lait, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Parce qu'il a grandi. La communauté musulmane, on grandit dans le nombre, mais dans la qualité, pas assez. Pas assez. Ça fait 20 ans qu'il y a des frères qui se disputent dans la mosquée, parce que certains ramassent la zakat al-fitr et la donnent en denrées alimentaires, et d'autres la donnent, donnent leur équivalent en argent. Et tout le monde dit, c'est moi qui suis sur la sunnah. Ah d'accord, toi t'es dans la sunnah, et les autres ils sont quoi? Ils sont en train de chanter, de danser. Comprenez une chose, s'il vous plaît. Ce point fait partie des points sur lesquels il y a une divergence. Oui, mais certains vont dire Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a cité en denrée. Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a cité la finalité de cette zakat. Lorsqu'il a dit pour que le pauvre, cette zakat a été légiférée pour que le pauvre ne se retrouve pas dans le besoin. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah dira, lorsque les gens lui ont dit qu'est-ce qui est meilleur, de donner en argent ou de donner en nourriture, il a dit il faut regarder ce qui est meilleur pour le pauvre. Si maintenant on a un pauvre en France, c'est un exemple. Qui a faim, il n'a pas de course. Par exemple, moi je sais, ma voisine, elle n'a pas les moyens de faire les courses. Eh bien, je lui demanderai. Mais si ma voisine, je sais qu'elle a les courses, mais elle a des problèmes de facture, est-ce que l'ads et le riz, ça va lui payer ses factures? Le problème n'est pas là. Cette divergence existe et elle existera. Que tu le veuilles ou pas. Elle existe depuis plus de 13 siècles. Et elle va encore exister jusqu'à la fin des temps. Qui a raison? Tous les deux ont raison. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé sur plus que zakat al-fitr. Une fois en voyage, ils ont divergé sur la prière, l'heure de la prière obligatoire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés auprès d'une tribu juive. Et ils ont divergé sur le moment de la prière. Là aussi, si tu pries en dehors du temps, elle n'est pas acceptée. Mais un groupe a prié à un moment sur la route et d'autres n'ont prié qu'après que le temps de la prière soit fini. Ils ont prié quand ils sont arrivés auprès de cette tribu. Chacun ce qu'il a compris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahabes comprenaient l'arabe mieux que moi et que vous. Ils ont divergé sur un autre point dans l'islam, sur le jeûne du ramadan. C'est un pilier. Zakat al-fitr ne fait pas partie des piliers de l'islam. C'est une obligation, mais toutes les obligations ne se valent pas en islam. Les sahabas, pendant le voyage, certains mangent pendant Ramadan. Ils mangent, ils sont en voyage. Et d'autres jeûnent. La différence entre nous et eux, c'est quoi? Quelle est la différence? C'est que eux, leur cœur, leur poitrine, comme on dit en arabe, elle est large. Parce qu'ils ont compris que l'islam ne pouvait se percevoir dans le chat d'une aiguille. Nous, on veut l'islam comme ça, on ne voit que comme ça. Tout le reste, on ne le voit pas. Les sahaba, celui qui jeûne, ne se moque pas de celui qui a mangé. Même pas faire une blague. Tu vois, t'as pas de force, toi, ça n'existe pas. Parce qu'il sait que c'est un avis respectable, c'est une facilité qui vient d'Allah. Et celui qui a mangé est au service de celui qui a jeûné. Et il ne lui dit pas, ouais, toi, tu prends toujours les avis les plus difficiles. C'est ça que nous apprend le ramadan. Et j'ai dit une phrase un peu dure, excusez-moi, je vous le dis par amour. Parce que des fois, il y a des choses dans le cœur, il faut que ça sorte. On ne sait pas, peut-être c'est la dernière fois, peut-être je vais mourir, peut-être ça sort de mon cœur. Moi, je ne crois pas à celui qui dit il faut respecter les juifs, les chrétiens, et lui ne respecte pas ses frères qui prient dans la mosquée parce qu'ils ne suivent pas le même avis. Bien sûr, le musulman respecte tous les humains, parce que le khalq wa iyalullah, c'est Allah qui les a créés. Mais moi, j'ai du mal à te croire, mon frère ou ma sœur. Si le musulman qui prie avec toi, tu fais la guerre avec lui, comment tu vas respecter un juif et un chrétien qui n'a pas la même croyance que toi? Et le mois du ramadan vient nous enseigner cela. Tu ne jeûnes pas quand tu veux. Je ne jeûne pas quand tu veux. Quand je veux, pardon. Nous allons jeûner le début du mois ensemble et nous allons arrêter le mois du ramadan ensemble. Pourquoi? Pour comprendre que nous sommes une umma. Et que moi et vous, et je vous pose cette question et chacun doit y réfléchir, et moi le premier, est-ce que ma da'wa que je fais, mes prêches, mais est-ce que moi je fais partie de ceux qui renforcent les musulmans entre eux, ou moi je fais partie de ceux qui mettent des coups pour percer le bateau de l'islam? Posez-vous cette question, chacun. Est-ce que moi je fortifie
les musulmans qui sont déjà très faibles, ou bien les musulmans déjà ils sont KO, et moi je mets un coup de pied encore, comme ça ils tombent par terre. Chaque parole qui sort, il faut que tu penses, est-ce que tu es en train de renforcer, ou bien tu es en train de mettre à plat une communauté qui est déjà à genoux. Quelqu'un qui est à genoux, il faut le prendre sa main, il faut le lever. Il ne faut pas le mettre à plat. Et nous avons espoir. Et Allah Azza wa Jalla va unir cette communauté comme elle a été unie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Mais il faut que chacun fasse un effort. Chacun d'entre nous doit faire un effort. Doit comprendre. Moi je suis convaincu. Peut-être que moi, ma femme, peut-être que mon fils, il ne va pas être convaincu. Moi je suis, j'ai dit voilà, dans le fait que je suis maliki. Peut-être que mon fils va être chef et il a le problème. Peut-être que mon fils va être hanafi. Il est où le problème? Il est musulman. Peut-être que mon fils sort de l'islam. Ça reste. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Tu vas patienter. Et tu ne patientes pas avec ton frère qui est là, qui prie avec toi tous les jours. As-salallahu subhanahu. An yaghfir li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن من أكثر الأسئلة التي ترد علينا ونحن نزور المساجد تتعلق بتربية الأبناء أكثر الأسئلة ليجي عند الإمام يقول لك أنا خايف على أولادي أنا خايف على أولادي يضيعوا الإسلام ولا ضيعوا الإسلام غادي يضيعوا في الدنيا وفي الآخرة. الآن أمامنا موسم عظيم. هذا الموسم اللي جا شنو هو؟ هو يوم العيد. إذا بغيت ولدك وبنتك يبقوا مسلمين لا بد أن تحافظ وأن نحافظ جميعا على أركان الهوية الإسلامية. ومن بين هذه الأركان أن المسلم العاقل يهتم بالمناسبات الدينية. هذا عيد، تعرفوا لمن يقولوا العيد راه حاجة كبيرة، خصك تحاول ما أمكن أن تفرحهم في هذا اليوم. اشريهم الحاجة، خرج الفلوس صحيحة اللي راه نعسة في البنك، خرجها وفرح مرتك وفرح أولادك وفرح بناتك وفرح فيضك لوجه الله تعالى. علاش؟ غادي يفرحوا ولدك تجيب له واحد سبردينة واحد كيطمة جديدة يفرح. باش غادي يفرح بالعيد؟ والعيد شنو هي؟ هي مناسبة إسلامية فيها صلاة العيد، فيها عبادات خاصة، هذا هو العيد. ولماذا سمي بالعيد؟ لأنه يعيد بالخير، يعود علينا بالخير ويعود بالفرح. ولهذا ديما نقول لكم انا واحد الكلمه، ما تقولوش فقط يا الامام ادعي مع اولادك، لا تدعي مع اولادكم ومع اولادنا ومع اولاد المسلمين جميعا، لكن الدعاء ما كافيش. خصنا نجتهدوا، والعاقل ما يفوتش هذه المناسبه. Alors, je termine là-dessus brièvement. La plupart des questions qui nous sont posées en tant qu'imam tournent autour des enfants. Beaucoup de frères et sœurs disent j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur par rapport à leur religion. C'est simple. Si tu as peur par rapport à leur religion, il faut préserver les piliers de l'identité musulmane. Il y en a quatre. Et l'un de ces piliers, c'est que le musulman doit marquer les occasions. La semaine prochaine, il y aura l'Eid. C'est quoi l'Eid? C'est une occasion en or où moi et toi, et je m'adresse surtout aux hommes, parce que c'est nous qui sommes responsables financièrement. Moi et toi, on doit sortir les billets là. Sors-les de ta poche. Sors-les de ton armoire où tu les as cachés. Sors-les de la banque. Achète des beaux jouets à tes enfants. Achète des beaux vêtements. Wallahi al-Azim, si vous achetez des beaux jouets à vos enfants le jour de l'Eid, ils ne vous diront pas, papa, c'est Noël, achète-nous des jouets. Mais toi, tu n'achètes ni à l'Eid, ni à aucun moment. Et bien après, tu t'étonnes que tes enfants te posent la question. Ils veulent des jouets, ce sont des enfants. Ils veulent des cadeaux. Donne-leur le jour de l'Eid et explique-leur que le jour de Noël, ce n'est pas une fête musulmane, ce sont des fêtes païennes ou chrétiennes selon ta conviction. Mais que nous, on a nos fêtes. Et nous, on doit être heureux. Est-ce que le musulman doit toujours être triste?
Allah a fait qu'il y a deux Eid. Écoutez bien ce que je vais vous dire et je termine là-dessus. L'Eid, c'est une fête religieuse. Parce que des fois, on entend des frères et des sœurs qui. Parce que le problème, tout le monde part sur Internet. Et ça, c'est grave. Ils disent, attention, il n'y a que deux fêtes pour les musulmans. Et toute l'année, on est triste. L'Eid, ce n'est pas une fête. L'Eid, c'est une fête religieuse. C'est-à-dire, c'est un jour spécifique où il y a des adorations spécifiques. C'est ça l'Eid. Mais le musulman, il doit être heureux, joyeux. Et l'islam nous dit que le sourire, c'est une sadaqa. Et Allah nous dit, يوم القيامة وجوه يوم عيد مسفرة ضاحكة مستبشرة. Les croyants vont sourire. Et toi, tu penses qu'il faut être triste parce que tu vas bientôt mourir. Alors faites entrer la joie. Sortez l'argent, les frères. Achetez des cadeaux à vos enfants, dans la mesure du possible. Achetez à vos enfants de nouveaux habits. Offrez à vos femmes de nouveaux habits, de nouvelles choses. Et vous allez voir, automatiquement, ils vont aimer l'islam et ils vont être attachés. Ça, c'est une attache sur quatre. Ils vont avoir déjà un cadenas qui est bien attaché, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette de faire ressentir l'Aïd à nos enfants. C'est très important. Il faut que nos enfants sentent que c'est l'Aïd, que c'est une fête. Et c'est pour cela, je dis ça surtout pour les hommes, il ne faut pas crier le jour de l'Aïd. Il y a beaucoup d'hommes qui crient le jour de l'Aïd. Ils se fâchent le jour de l'Aïd. C'est pas normal. C'est le jour de l'Aïd, Yom al-Farah. L'Aïd en arabe veut dire ce qui revient. L'Aïd revient avec ses bénédictions et il revient avec sa joie. Donc marquez le coup, les frères. Marquez le coup. Sinon, vous allez pleurer dans quelques années, ça ne servira à rien. Marquez le coup. Et quand vous dépensez pour votre famille, la semaine dernière, on a parlé, mashallah, ils ont ramassé presque 9000 euros qu'Allah récompense tous les frères et toutes les sœurs. Vous avez donné fils à Bilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand tu achètes pour ta famille aussi, c'est fils à Bilillah. C'est ça que beaucoup d'hommes ils oublient. Ils disent oh, je fais les courses, je paye le loyer. Tout ça, c'est des hasanat yawm al-qiyama. Mais shart al-niyyah. Si tu as l'intention. Si tu n'as pas l'intention, tu payes, tu galères dans cette vie, tu ne récolteras aucune hasana yawm al-qiyama. Faites sentir, faites aimer à vos enfants. Le jour de l'Aïd. عباد الله لقد أمركم الله بأمر بدا فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا والحمد لله رب العالمين